Coucou tout le monde, c'est Filito. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 36, déjà, de notre aventure sur Dead Space. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, eh bien, je suis dans... comment dire, dans cette salle plein de sang, donc non. Je ne vais pas bien. Enfin, si, je vais bien, mais... On va dire que cet endroit me fiche un petit peu les jetons, hein. On va dire que... Oui, on va dire que ça me fiche un petit peu les jetons. Sachant que ça fait un petit peu peur. Donc, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes sur la colonie. Oui. Ah, c'était une jambe, d'accord. Nous sommes sur la colonie, donc la planète, quoi. Où nous avons débarqué, eh bien, dans le dernier épisode, après avoir rejoint Nicole. Donc, je vous rappelle la... Je sais même plus comment elle s'appelle. À chaque fois, j'oublie son nom. Donc l'hôte blonde est partie avec la navette en nous laissant. On a rejoint Nicole et on a réussi à ramener la navette vers le vaisseau. Par contre, elle s'est barrée dans une petite capsule. Mais bon, le principal c'est qu'on avait récupéré la navette et ensuite, eh bien, nous sommes partis avec Nicole sur la colonie et donc, eh bien, du coup, on est ici. Avec Nicole et le monolithe. Donc la dernière fois une fois arrivé ici, j'avais fait le petit tour. Donc là, on va pouvoir amener le chargeur à la navette parce que j'avais déjà ouvert la porte menant à la suite. Ouais, j'avais déjà ouvert la porte menant à la suite en prenant le machin électrique et le mettant dehors. Donc tout ça on avait visité, il y avait quelques objets que j'avais pas pu récupérer parce que je n'avais plus de place dans mon inventaire. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas plus de place dans mon inventaire, j'ai beaucoup de soins. Bon, c'est pas plus mal hein, du coup. J'ai pas mal de munitions, ouais ça devrait faire l'affaire je pense. Là-bas c'était quoi? Il y avait du soin, il n'y avait pas des munitions de méga PK, attendez. Méga PK, ça pourrait m'intéresser. C'est quoi ça? Énergie laser, c'est pour choc laser. Méga PK, ça pourrait m'intéresser. Oh, avec le mec qui est pendu là. Oui, non, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est pas grave, du coup, on va sortir. Dehors, il y avait. Enfin, la dernière fois, on avait rencontré. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ces créatures qui font peur là. Ah, bref. Avec leur bruit bizarre. Donc, on l'avait tué. Mais du coup, Nicole, je sais pas où elle était. Parce qu'il nous avait attaqué, mais pas Nicole, hein, donc je sais pas. Il nous aime pas. Les monstres nous aiment pas. Par contre, Nicole, je sais pas où elle est. On peut aller là. Alors, ça mène où? Parce que là, il y a des petites portes. Et il y a un truc, machin électrique là. Alors, attendez, juste quand même, je vérifie. Ouais, faudra passer par les petites portes par la suite, hein, d'accord. Donc nous, on doit aller là-bas, amener le machin. Oui. D'accord. Donc tout ça, on avait fouillé. Où est Nicole? Ah, attendez, on n'avait pas été là-haut. Ah, quoi que si, peut-être, je sais plus. Elle est peut-être à l'intérieur, Nicole. Attendez. Je vais juste trouver Nicole, moi. Dans cet endroit qui fait peur. Bon bah Nicole elle est pas là. Non franchement ça me plaît pas trop d'être ici parce que c'est un petit peu ici qu'il y a tous les monstres donc c'est pas très cool. Oui je dois aller là-bas. Encore à suivre. Je pense pas que ce sera un long épisode. De toute façon je pense qu'en fait ça va comment dire. Ça va atteindre les 40 vidéos je pense hein. Du coup. Ah ouais mais d'accord mais. Chargeur inactif. D'accord. Bah c'est pas là que je dois faire alors. Attendez, je comprends rien. Ah, faut peut-être bouger ça. Par contre, Nicole, elle a complètement disparu. Voilà, doit sûrement bouger ça, je pense.
il avance pas. Attendez, on va se mettre de l'autre côté. Il y avait un truc par terre aussi. Énergie laser. Comme par hasard, je peux pas le prendre. Hein? Oui, bah oui, il est là-bas. Allez, viens. Je peux pas plus. Ah non, faut l'amener là-bas. C'est bon, d'accord. Je suis un petit peu. Bébête. Enfin, je pense qu'il faut l'amener là. Moi. De toute façon, si c'est pas ça, c'est. Ah bah oui, voilà. Ah, mais non, je peux y aller là. Va-t-on se faire attaquer? Ouh, le monolithe. Ça lagouille un petit peu, c'est normal. Voilà, on va pouvoir le déplacer. Je sens que ça m'a apporté plein de problèmes, ce truc-là. Sentez venir les créatures. Attendez. C'est moi ou le monolithe, ça? Enfin, y a des murmures qui viennent du monolithe. Je sais pas, les murmures, ça, j'ai jamais su d'où ça venait. À moins que ça venait soit de la reine mère ou bien du monolithe, c'est possible. Hop. Je dois aller là. Ouais, je suis pas très chaud à aller là en fait. Et je peux pas aller là-bas? C'est pas ça, je dois pas l'amener là, non? Si, ah si, je dois l'amener là. Mais non, je vais aller là. D'accord, y'a quoi derrière? Pourquoi y'a des bombes à Staz? C'est très très chelou. Attendez, on va quand même vérifier la petite salle parce que là-bas c'est bloqué, donc je me dis peut-être c'est. Hein? Ah oui, énergie laser. Là-bas, c'est derrière, c'est bloqué, donc je me dis c'est. On peut aller là en fait. Peut-être un petit objet bonus. Quoique, de toute façon, j'ai quand même plus de place en fait. Ça pour après, d'accord. Je le sens mal quand même. Je sens qu'on va se faire attaquer. La Nicole qui a complètement disparu. Elle doit être dans le vaisseau et être à l'abri. Je recule instinctivement. Fermé. D'accord. Bah voilà, c'est fermé. Ah non, oui. Ah, attendez. Peut-être l'avoir. Ouais, voilà, faut le faire glisser en fait. Excusez, hein. C'est pas suite très réactif. Où ça? Ah merde! Maintenant je suis prisonnier. Super! Oui. Y a-t-il quelqu'un? Oh, c'est moi. C'est le grand cornichon. Énergie laser, on récupère un petit peu les petites munitions. Méga PK, c'est... Ok.
Pour qu'il y ait des pompes à stase, c'est que ça va chier. Pour qu'il y ait un monstre comme ça, c'est que ça va chier. Je sais même pas y aller en fait. Sérieusement. Méga PK. Non mais attendez là, c'est oppressant. C'est quoi ça? Activer pont. Ah mais d'accord, ça va vraiment chier. Parce que si c'est un truc où on doit activer le pont, c'est que vraiment ça va chier quoi. Ah bordel. Ah ouais, rigole pas les mecs hein. D'accord. Quarantaine d'urgence initialisée. Forme de vie inconnue détectée. Équipe de sécurité prévenue. Allez. J'ai récupéré mes crédits là. Ah 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 ah. Allez, 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 allez. Alors. Hop, trancheur. Hop, trancheur. C'est bon, tu... Eh oh. J'allais dire... Ils vont quand même un petit peu nous vider nos munitions quand même. C'est... Allez hop. D'accord. Allez, 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 allez. Alors je suis un petit peu, comment dire, concentré. Cours, 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 s'il te plaît. Ouh, on est dans la merde. Prends le grand soin. On va recharger notre stase là-bas. Allez! C'est bien, il est mort. Ah bah oui, bah vous... What? Il y a un truc qui est tombé, je sais pas c'est quoi. Ah ça, ça, ça comment dire, c'est très tendu on va dire. C'est bon. Y'a plus de musique. Ça a l'air d'être bon. À peu près. Non je pense pas. On va rester quand même sur nos gardes. On va hop, utiliser ça. On va ramasser un petit peu tout les petites munitions là du coup. Eh b. Ah. C'est ça, c'est du fight. Non, c'était là-bas. Il me semble qu'il y avait plein de munitions. Ça a peut-être des pop hein depuis. Il y a une pompe à ça juste là en fait. Ah, c'est... ça a des pop ou alors j'ai dû les ramasser sans trop faire gaffe en fait. Ah là, il y en a pas qui sont tombés, non. Ah bon, je pense que ça va encore, encore bien chier. À mon avis.
Genre là, typiquement, le petit bruit. Alors, déjà, on va recharger un petit peu tout. Hein. Ne pas se laisser sans... Hop. Alors, on a... Ouais, on va dire qu'on a encore à peu près bien en termes de munitions, sachant que je pense qu'il y a encore des petits trucs par-ci par-là. Donc, attendez, faut bouger ça quand même. Je pense qu'il faut lever... Oh, mais tu fais peur, toi. Je pense qu'il faut lever le pont, en fait. Donc, alors, attendez. Oui. Oh, c'est un bras. Ah, non, mais attendez, il y a un bras juste à côté de moi qui tombe, quoi. C'est... Alors bonjour, je suis un bras. Alors les bruits, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter, merci, ça serait gentil. Je parle à des bruits. Oui. Oh mais ce bruit fait peur. Je vais passer par là-bas moi. J'ai pas confiance. En plus on peut même pas revenir en arrière en fait. Je fais comment pour aller sauvegarder moi après. Vous sentez la galère là? Des crédits. Ah, semi-conducteur rubis. Semi-conducteur rubis. De toute façon, maintenant, on va se concentrer à acheter des points de force. Et où des munitions et soins, si on en a besoin. Donc là, c'est lui qu'il faut bouger, ouais. Je vais prendre le méga PK. Personnellement, je... J'aime bien le méga PK. Est-ce que ça va encore chier? Je l'avais oublié lui ou... Non, 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 j'avais pas oublié. Hein. En tout cas, je pense pas. Non, 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 je pense pas que j'avais oublié, donc ça devait être des nouveaux. Ça veut dire que... on est quand même pas en sécurité, là. Je dois le foutre où, en fait, ce bordel. Ah, lui, là. Ah. Attendez, 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 j'ai pas compris. Si je le mets là... Je passe comment, moi, après? C'est une bonne question. Ah. Peut-être avec la... Je sais pas, attendez, 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 attendez. Ah, je dois aller là-bas. Attendez, attendez, je dois quand même bouger ça, moi. Ah, peut-être. Peut-être ici, en fait. Ah, peut-être possible. Là, ça me paraît un petit peu compliqué de le faire passer. Du coup, ça serait ici. On fait bouger lui, du coup. D'accord, alors... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Cours, 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 s'il te plaît. Mais non! On est dans la merde! Allez, fais ton sniper, mais... Vise leur machin qui pète, là! Voilà! Pas compliqué! Bordel! Et toi? Il n'y en a pas un autre qui arrive là, non? Ok, tu m'emmerdes. Ah! Merci! Quarantaine levée, donc ouais, fallait bien déplacer les machins. Du coup, on va... Non, ça c'est bon.
J'ai rien oublié en termes de mission là-bas? Non. Par contre, en termes de soins... Ah, j'ai plus mes grands soins. J'ai plus du tout mes grands soins. On est à 21 minutes. On va encore continuer. Et j'arrive où après, moi? Ah, j'arrive là quand même. Ah, il y a un point de sauvegarde là-bas. Et le stock, il y a un stock. Mais je sais pas si je pourrais aller tout de suite. Donc je préfère revenir vite fait en arrière. Pour aller... nulle part. Parce que je peux pas retourner en arrière. Donc tant pis. Je ne pourrais pas acheter un grand soin. Ah, dommage. Faut vraiment que je fasse attention aux soins. Parce que là, je peux pas revenir en arrière. Dans... Du coup, c'est embêtant. Parce que là-bas, il y avait du soin et tout que j'ai laissé. Ah, faut vraiment que je fasse attention aux soins. Alors, Rudy Gustin m'avait prévenu. J'avais pas écouté. Je dois aller où là? Ah, mais là-bas, ça met nous. En fait, je crois que les deux, c'est pareil, non? Attendez. Non, parce que lui, il mène au stock. Ah, mais il y a peut-être des bons comme ici. Attendez, est-ce que ici? Attendez. Je préfère aller là-bas. Ah ouais, mais là, tu l'es fermé de toute façon. Ouais, mais attendez, je préfère quand même passer la porte. Peut-être qu'il y a des soins entre deux, en fait. Vous voyez? Aucun item entre les deux. Bon. On va rester là. Allez. Ouais, c'est aussi bien que je passe par là. On a vu, je pense que je peux quand même accéder au stock. Hein. Je sais pas où je dois l'amener, le monolithe. Ah, ça se ferme. On va recharger. Pensez-vous que ça va être... Bah oui, parce que j'entends des créatures en fait. Ok, je reconnais ce bruit. C'est la créature dégueulasse qui balance toutes ces merdes par terre. Ça va, il y a un stock là. On est bien. Allez, pète, s'il te plaît. On n'a pas regardé ce qu'il y a derrière nous, mais... à mon avis, je pense que ça, c'est... Ici, c'est... Il y a juste lui qui fait chier. En plus, il y a un stock et tout, ils vont pas nous mettre... Bon, ça va, là. Ah, mais il y en a un deuxième. Oui, alors je vise très bien. D'accord, il y a juste une armée en fait ici. Allez, c'est parti. Vite. Allez. Toi, tu fais chier, toi. C'est bon, il est mort. Mais tu as envie. Mais toi, crève, crève. Ah, je crois que c'est bon là. Il me reste combien de munitions du... Ouais, je veux bien qu'il m'en reste quoi, sérieux, mais... Bordel. Et toujours en vie? Ok. Crève! Ou merde! Oh putain! Ah l'enfoiré! Ah mais sérieux, mais il lui faut combien de trucs? Je l'ai démembré. Ou alors il restait un truc, je sais pas. Allez, choc laser, j'ai déjà essayé sur lui, ça marchait pas.
Ah, ils me font aller là, du coup, de ce côté-là. Pourquoi pas. On va ouvrir tout ça, du coup. On va récupérer tout ça. J'ai toujours mon semi-conducteur, hein. Rassurez-moi. Ouais. Alors, vous, bande de saloperies. On va essayer de tuer, après on s'arrêtera là, hein. Sérieusement, je déteste ce monstre, en fait. C'est celui que je déteste le plus. Les autres, après, ça va, hein. Y a que j'aime pas parce qu'ils sont chiants. Les mecs, ils crèvent pas, quoi. Allez, mais... Là... Allez, là, bande de... trou du cul. Expression à la Rudy Gustin. Bon, alors on va se planquer là, derrière. Ça fait quoi si je te tire dessus avec ça? Mais genre, ils arrêtent pas de me viser, ils peuvent toujours me viser ou quoi eux? Allez, crève! On va. Ah ouais, mais attendez, j'essaie de tuer lui tranquillement. C'est bon, là, normalement, il est mort. Ensuite, il reste lui. Alors, toi. Ok, alors je vise à côté. Alors, si je vise à côté, c'est sûr, ça le fait pas. Hein. Jusque là, on est d'accord. Une tentacule en moins. Voilà. Alors, avec le joystick, c'est moins facile. Ah, j'arrive moins. Allez, il te reste une tentacule là ou quoi? Oui, il t'en reste une. Ah ouais, pour là-bas. C'est bon. Ah oui, non mais d'accord, oui, voilà. Tu veux bien? Merci. Voilà. Hein? C'est quoi qui fait cri-cri? Et B. Alors déjà on va soigner. Oui, on va relancer du coup un petit soin. Il y a un point de sauvegarde ici? Ouais, il y a un point de sauvegarde là-bas, je crois, si je me trompe pas, peut-être, oui. On va déjà faire le... On va refaire le tour de la salle, on va essayer de récupérer un petit peu plein de trucs. Alors là, ça mène je sais pas où, on va peut-être pas y aller maintenant, ça a l'air d'être un petit peu... Ah bah non, en fait, si, c'est pour après, c'est pour la suite. Ouais, bon, on va pas y aller tout de suite, hein. On a encore plein d'autres choses à faire. Je crois que je peux revenir en arrière, du coup, en revenant par là, en faisant le tour. Ouais. Alors là, il y a le stock. On va... D'accord, le point de sauvegarde est là. Donc je pense qu'on s'arrête, on va s'arrêter dans cette salle, à mon avis. Ça me paraît bien, on aura fait... Bon, au final, pas grand-chose. On aura juste fait bouger le monolithe, mais il y a beaucoup de combats. C'est vraiment... Oui. C'est vraiment un gros bordel, la fin, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment un gros bordel la fin. Parce que là on est au dernier chapitre et il y a vraiment beaucoup de créatures. Alors du coup j'ai ramassé un petit peu tout ce que j'avais à ramasser. Donc du coup je vais pouvoir aller acheter des trucs, revendre. Enfin on va faire ça. Alors, vendre semi-conducteur. Voilà. Et on va regarder ce qu'on peut acheter. Parce que ce que je vais acheter au final, du soin, alors énergie laser et dents trancheurs. Ça, j'en ai assez des méga PK. Ça aussi, ça serait plus ouais, ça
et énergie laser. Donc là, je vais en acheter un bon paquet. Et du soin aussi, je vais prendre des gros soins, je pense. Je pense que je vais en prendre. Alors j'ai peut-être tort de faire ça, mais je vais en prendre. Ah, voilà déjà. Ça c'est bien. Ensuite, énergie laser. Enfin, énergie plasma plutôt. J'en ai combien là? Hop. Ouais, on peut encore en prendre 6. Hop, 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 allez. Et on va prendre dent trancheur. Dent trancheur parce que le trancheur est quand même assez efficace. Je préfère prendre les acheter des munitions personnellement. Et encore un petit soin, allez. On peut se ruiner, c'est pas grave. On peut se permettre des choses. C'est la fin de toute façon. Soin, soin, soin. D'habitude, je suis pas trop acheteur de soins. Mais bon, là, vu que Rudy Gustin m'avait dit que je devais faire attention à mes soins, ça voulait dire peut-être que j'allais peut-être pas en trouver forcément, même si on en avait là-bas, mais je pouvais pas les prendre. Et bon, peut-être que je peux y revenir en fait, hein. Je sais pas. Parce que regardez, ça continue encore. Ouais, faut l'acheminer, à mon avis, faut l'acheminer quand même jusque tout là-bas. Donc, s'il faut l'acheminer jusque là-bas, ça veut dire qu'il risque encore d'avoir du fight et tout. Et là, je dois aller là-bas réactiver les ponts. Ouais, il faut que j'active les ponts parce que. Ouais, parce que du coup, je peux pas. Ouais, je peux pas faire ça, d'accord. Donc, en activant les ponts, je pense que quand je vais revenir ici, ça sera le gros bordel. Donc, je préfère faire ça la prochaine fois. Déjà, de 1. Et de 2, voilà, je préfère avoir de quoi tenir. Donc, du soin et compagnie. Voilà, voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter ici du coup. Juste, il y avait quoi derrière cette petite porte? Derrière cette petite porte, ça mène à la suite. Ouais, ok. Ah oui, bah non, mais c'est la même chose. Ok, je dis n'importe quoi. Donc du coup, on va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, malgré le fait qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais bon, si je continue à activer les ponts et tout, je pense que ça peut continuer encore longtemps. Sachant que si je reviens ici, je risque de recroiser des ennemis ou quoi. Voilà, regardez, il y a des bouches de trucs, enfin, il y a des bouches d'aération, donc je pense qu'il y aura plein d'ennemis qui vont m'arriver à la figure. Donc voilà, je préfère m'arrêter ici plutôt que de faire un épisode de 50 minutes. Donc voilà, de toute façon, la prochaine fois, épisode 37, on fera ça. Donc peut-être que l'épisode final risque d'être l'épisode 38, donc ouais, on est bientôt à la fin. Ça... Et donc je pense que ça sera des... Peut-être le dernier épisode sera un long épisode du coup. En fait je sais pas. Soit je fais un long épisode la prochaine fois, parce que je sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à la fin. Soit je continue à faire tout le trajet ça, et ensuite faudra sûrement battre la reine mère. Donc je le ferai dans l'épisode 38. Bon, je verrai bien en tout cas. En tout cas voilà, on s'arrête bien ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces bleus, n'hésitez pas à laisser aussi plein de petits commentaires. Et donc nous on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 37. Et donc continuez à faire comment on pourrait... Enfin à acheminer le monolithe vers le bout des rails, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.